on part toujours de la même chose, mais c'est juste le titre qui change. On peut l'appeler toilettage institutionnel, on peut l'appeler les accords... voilà, ils sont tous écrits derrière là. On peut appeler feuille de route, toutes ces choses-là, c'est pour dire que les Comores et la France sont en train de négocier et comme menu, c'est l'île Mayotte et le devenir de Mayotte. Donc, ces discussions ne peuvent pas avoir lieu. Ce n'est pas possible qu'on puisse trahir la mémoire de nos ancêtres et de ceux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, on ait une vie moyennement stable et digne quand on regarde ce qui se passe aux alentours. Donc, on ne peut pas nous ramener 100 ans de souffrance en arrière. Ce n'est pas possible. Donc, on est là pour que la population comprenne que si on ne prend pas nos responsabilités face à nos élus, les mêmes personnes que nous avons choisies, que nous avons élues, eh ben, ce sera nous qui allons devoir assumer ça. Et pire encore, ce sera nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes en costume cravate, voilà, on va là où on veut, mais dans 5-10 ans, on sera sur le même niveau de vie que ce qui se passe dans toute la région.